Donc, Codenames, hop là, créer un salon juste en duo coopératif. C'est la première fois qu'on va faire ça. Je pense que ça va pas trop changer par rapport aux autres trucs. Hop là. Je te mets le lien en, en MP du coup. Vu que c'est juste en duo. Oui. Hop là, coller. Normalement, t'as juste à rejoindre. Yep. Me voilà. En plus de ça, j'ai le voisin en haut qui déménage. C'était pile aujourd'hui. J'étais là. Ah ouais, donc on a tous choisi le bon jour, quoi. Donc vraiment, sur la fin de journée, je suis allé l'aider à déplacer 2-3 trucs. Alors, que choisissons-nous? Enfin, pile ou face? Ça va être compliqué, je pense, mais bon. Camp A, camp Pile ou B, face? bah, choisis comme tu veux. Ben allez, Allez. on va faire quand. Commencer. Ah, mais c'est moi qui te donne les indices. Je dois taper Non, c'est l'indice. non, c'est moi qui te donne les indices, non? Bah moi aussi. Quelqu'un doit Moi donner aussi, un je... indice. Mais je vois des cartes vertes et des... Oh, il y a que 3 cartes noires! Oui, donc du coup, attends, je ne dois pas regarder ton stream. Je ne Non. regarde pas le stream. J'ai rien vu. Il y a Ah oui, trois du coup, en cartes fait, c'est noires! chacun. Oui, en effet, c'est. Ah, mais du coup, ça veut dire que toi, tu as un autre plateau de cartes, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Attends, juste vérifie. Tac, tac. Oui, j'ai pas le même que toi. Alors. Mais c'est quoi ces associations de mots là? Comment je vais faire ça, moi? Je te rassure, moi c'est pareil. Si, je... il y en a... Ouais, mais ça ferait ça. Ah, mais non, il y a... Oh non, mais il y a... Oh! Ça fonctionne pas ce que je voulais penser. Non! Non, 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 mince. Et non, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Alors, je pourrais peut-être le mettre ceci. Ah, Peut-être. si, je sais. Je vérifie. Je peux en tenter un. Je vais tenter ça en deux. Ouais, ceci en Ah, on 3. a du temps? Ah non, c'est moi qui viens. En fait, c'est parce que c'est moi qui suis passé avant toi, apparemment. Donc, normalement, je crois que c'est à toi de choisir, ouais. Essayer de En fait, deviner un mot. Mais attends, mais c'est le plateau que j'avais sous les yeux. c'est le plateau que tu avais? Ben là, tu m'as mis Ah oui, horreur en 3, et du coup, c'est le plateau que j'avais sous les yeux. Oui, mais tu ne t'as pas les mêmes cartes vertes que moi, en fait. Ben oui, mais dans ce cas, les cartes noires, c'est les mêmes pour tous les deux. Bah non, il y en Ne a dis pas une qui est lesquelles c'est pareille. au cas où. Il y en a une qui est pareille. D'accord, donc c'est pas les mêmes normalement. Ok, J'ai regardé d'accord. vite fait, il y en a qu'une seule sur 3. Donc à toi de D'accord. Ah deviner. oui, c'est chelou comme système de jeu en fait. Alors du coup, je me demande comment ça se passe en tant que jeu physique pour le duo. Parce que le jeu physique duo n'est pas le même que le jeu physique classique. C'est hyper Alors bizarre. là, je ne sais pas. Alors vas-tu trouver horreur en 3? Je réfléchis. Je vais éternuer aussi au passage. À tes souhaits, en avant. Pardon. Ah, oh, punaise, c'est ça Les d'avoir été en amours? t-shirt. C'est la douche, ça. Ouais, sûrement. Bah, douche froide en plus. Bah, il fait chaud. Alors, normalement, en 3, tu peux le trouver. Mais je pense que, en fait, je dois t'en Bah, faire trouver le moins possible. horreur, pour moi, il y aurait serpent.
Ah bah oui, Halloween, bien sûr, Halloween, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Oui, Halloween. Bon, Halloween, je le valide direct. Sérieusement? Ah mais attends, bah si, c'est bon normal. Ah d'accord, bah c'est pas bon pas alors, j'ai pas compris. Bah non, il m'a compté ça en tant que carte blanche. D'accord, donc en fait, on doit se faire, je pense qu'on pourra recommencer. On doit se, tu vois, nos cartes vertes, en fait, on doit se les faire deviner mutuellement. Mais si c'est les mêmes, c'est nul. Et on doit pas se... C'est pas les mêmes. Et on ne doit pas se... Il y en a que c'est les mêmes, mais ce n'est pas tous les mêmes. Et du coup, les cartes noires, on doit pas se... On... Je crois oui, que bah. Si on... Cartes noires, si oui. On les fait, on perd tous les deux. Et les cartes grises, du coup... ça mais fait passer pour... le tour. Halloween n'était pas en carte verte pour toi. Non. Halloween, alors, pour... bon, pour moi... Serpent était bien en carte non verte. Non mais non, dis pas les réponses, dis juste voilà, vu que j'ai cliqué Halloween. Oui mais de toute façon t'as le même, donc je me suis... j'ai vu quand j'ai vérifié. Mais Halloween, pour moi, c'est pas une carte verte chez moi. C'est une carte grise... Oui, une carte normale quoi. Carte mais, normale. Et c'est... Ben pourquoi t'as mis horreur alors? Bah, c'est parce que je ne savais pas qu'il fallait faire les cartes vertes, moi je pensais que les cartes normales passaient également. Mais apparemment non. Mais t'as jamais joué à Codenames? Oui, mais normalement tu peux mettre les normales aussi. Bah non. Ah bon? Oh bah mettre une carte normale, ça fait, ça n'élimine personne, mais ça fait passer le tour. Et ah du bah, coup, tu perds du temps. Je me souvenais plus. Je pensais qu'on pouvait mettre les cartes normales. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un mardi bassoon. Alors, oula, électrique. Ça, c'est dur. Ah tiens, le bonhomme il est à l'envers. Ah, bon, il est à l'envers pour toi? Bah oui, ça veut dire que t'es en face de moi. Donc pour toi, ça veut dire qu'il est à l'endroit. Ah oui. Allez, on va tenter. Apparemment, j'ai eu bon. Oui, mais ça, oui, mais je, à la base, je visais pas ça, mais Marie Curie, elle l'a pas fait de l'électricité. Non, mais on sait jamais. Oui, mais parce non. Que c'était soit, j'avais choisi soit pointe, soit électrique, mais. Et pourquoi pointe? Qu'est-ce qui te fait penser à une pointe? pointe de tension. Oula, ah oui, d'accord, ok. Oui, je vais loin, je sais. Ouais, un petit peu, ouais. Alors du coup, est-ce qu'on doit se faire gagner mutuellement ou... Mais je ne sais pas si on a les mêmes cartes vertes ou pas. Alors je pense, franchement, je pense pas. Hein. Du coup. Alors. Normalement. Alors ouais, mais... Donc oui, de toute façon, tu l'as déjà fait. À toi. Film. Oui. Ça peut être Wolverine. Ça peut être Princesse Leia. Il y a eu un Simpson le film, mais c'est quand même plus une série. Il y a un film autour de Nelson Mandela, mais là c'est plus une personne historique. Manodou, elle a déjà joué dans un film. Pikachu, Pokémon, bon bah voilà. Hotel, Tokyo, Cop. Alors je vais mettre Wolverine en premier. Et je vais mettre Princesse Leia. Oui, ouais, en effet, je le vois que tu es à l'envers. Bon, ouais, du coup, c'est à toi alors. Faut que tu valides, je crois, non? Oui, mais je peux en piffer. Ah oui, bah vas-y alors. Bah, serpent. Pas trop piffé, mais. Ah, je peux continuer? Ah, bah attends, parce qu'il y en avait encore un avec Halloween. Non, Halloween, j'en avais. Avec horreur, non, pardon, avec bon, horreur. Halloween, c'était pas. Horreur, c'était pas bon. C'était... J'avais mis 3, mais c'était. Je pensais qu'il y avait les cartes normales, donc non. Ah, bon, bah, j'ai fait une. Ça revient petit à petit. Attends, ne valide pas. Il te reste oui. Un électrique à trouver. Oui, égal, oui, exactement. Oui. Tu veux que tu as le droit d'en mettre un de plus. Oui, je peux. Voilà.
Mais du coup, est-ce que... Et là, à partir de là, soit tu pifes, mais t'as aucun indice, soit tu finis ton tour. Ouais, non. Mais alors, tu vois... Ah, mais non, je peux pas te le dire, parce que... Est-ce que toi, ça t'a validé aussi, Pikachu, pour toi? Ouais. Bah oui, parce que ça, vu qu'on a le même plateau, apparemment, et là, du coup, je vois en carte retournée Pikachu, donc je vois bien que c'est toi qui a le point de Pikachu. Moi, Pikachu, c'était noir, en fait. C'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre. Pikachu est... Pikachu, c'était une carte noire chez moi. Ah, ok, on n'a pas les mêmes, alors. Voilà. C'est pour ça. D'accord. Du coup... C'est chaud. En effet. Allez, tu peux la voir en deux, celle-là. Mais il faut vraiment que tu y arrives. Tradition. Pour mais la deuxième, je pense alors, juste combien, sans le dire lesquels, combien de cartes vertes me reste-t-il à trouver? 4, t'as dit? 4, oui. Ok. Mais ça veut dire que. J'ai le droit de cliquer sur mes propres cartes noires parce que ce ne sont pas tes cartes noires. Oh punaise, d'accord. C'est ça. Ok, alors tradition. Bah ça peut être en deux, ça peut être pack. Alors le deuxième, il faut quand même aller le chercher loin. Mais il y a moyen. Je vais mettre pack. Ok, pack c'est bon. Et... Céline Dion, Homer Simpson, Faye, Mandela, Manoudou. Si t'arrives à le trouver, franchement, hôtel, faut réfléchir. Tokyo, réplique, pointe, Cléopâtre, taille. Qu'est-ce qui peut être une tradition là-dedans? Céline Dion. En rapport avec la tradition. Oui, oui, j'ai bien vu. Céline Dion, Faye, Homer Simpson. Mandela, Manoudou, Alpes, Pointe. J'ai été chercher loin. Taille. Taille, il n'y a pas une tradition de la. Quand on grandit avec la taille, quelque chose comme ça, qu'on passe. Je sais pas. Comment ça s'appelle? Peut-être la communion ou. Comment ça s'appelle la bar mitzvah ou quelque chose comme ça, peut-être. Bar mitzvah, oui. Nombril, mais... mémoire, hôtel, Tokyo, coq, réplique. Qu'est-ce qui peut être traditionnel? Qu'est-ce qui est ancré dans notre... dans une culture, en tout cas. Coq, réplique. Coq, réplique. Coq. On sacrifie... Non, pas les coqs. Les poules, oui, mais pas des coqs. Tokyo, bah Tokyo, c'est bourré de tradition. Oh! Oh, le Japon traditionnel? Oh! Ah, ça peut m'intéresser, en fait. Tokyo, Japon, vas-y, je tente ça. Et c'était pas ça. C'était. Oh. Bien joué. Oh, d'accord, bah c'était ça. J'étais loin pour le chercher, mais. C'est pas Mandé... pareil que ça. Enfin, alors, ça, c'est c'était en ça. Deux, je vais rien piffer d'autre, donc je finis de deviner. J'avais pensé pareil. Japon, pays traditionnel. Comme on dit, le pays du soleil levant. Donc du coup, à toi de me donner les indices. Ah mais c'est tiré par les cheveux ça. C'est tiré par les cheveux. Ah ouais non, je peux pas réfléchir comme ça.
pas réfléchir comme ça. Il y a un mot qui me gêne beaucoup plus que les autres, en fait. Un, en particulier, il me bloque, mais à un point. Ah bah, moi, je te rassure, les deux cartes qui me restent pour toi sont très compliquées à lier. Je pense qu'on va devoir le faire en une fois. Je le tente comme ça, on va voir. Oula. Alors, je dirais mémoire. Allez. On va mettre mémoire. Et alors, le deuxième. Mais du coup, mais je ne peux pas choisir mes cartes noires. Si, d'accord. Normalement, tu peux. Ah bah non, là, c'est grisé. Mes cartes noires sont... Je ne peux pas les choisir, en fait. C'est bizarre. T'as pas un bouton jaune dessus ? Ah non, non. Mes deux cartes noires, je n'ai pas de bouton la main jaune. Alors que tout à l'heure, Pikachu, j'ai pu le faire. Ah. C'est bizarre. Résistance. Il y a eu l'appel petit jeu. Allez, on va tenter. Oh man. Il reste encore résistance. Bon bah moi je suis obligé de le faire en une fois. Et là pareil, là ça va être en deux fois une fois. Ah bah t'as été plus rapide. Série. Ah bah Homer Simpson, c'est la seule série là-dedans. Allez, on repart ici. Compliqué. Ouais, je pense que ça va être facile. Bon, moi après alors peut-être que tu vas confondre vente. Ah oui, vous n'avez plus de jeton de temps, vous avez donc entamé le tour de mort subite. Voici votre dernière chance de trouver les agents manquants. Vous pouvez deviner autant de fois que vous le souhaitez, mais l'autre camp ne peut plus vous donner d'indices. La première réponse fausse mettra fin à la partie et vous aurez tous perdu. Quoi? D'accord. J'ai des boutons jaunes. Alors moi je peux juste cliquer sur une carte, mais est-ce que toi ça te fait quelque chose? Non. Moi en gros je peux juste cliquer sur la carte, la dernière carte verte en fait, pour toi. Bah moi je crois que je dois trouver la dernière carte verte. Parce que je ne peux rien faire d'autre. Mais j'ai le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai une chance sur 10, 10%. Après, je pense que c'est que si tu choisis les cartes noires qui sont éliminatoires, je pense. Ah ben là, de toute façon, si on trouve pas, on a perdu. Ah, mais je peux pas donner la réponse. Non. Et pas d'indice. Faut piffer là-dedans. Te laisse piffer. Je vais aller sur les Alpes, t'avais l'air de bien l'aimer cette carte. Bon mais c'était pas ça. C'est une carte noire. En effet. C'était quoi la carte? Alors la carte c'était pointe. Ah oui, c'est vrai que t'aimais beaucoup la carte pointe aussi. Du coup il me restait Homer Simpson et pointe, c'était un peu compliqué. Bon on va voir, je pense que c'est parce que j'ai donné deux mots à la suite que ça a fait ça. Je pense que c'est pour ça, j'aurais dû peut-être te laisser l'indice et après j'aurais pu te donner l'indice en suivant. Je pense, je suis pas sûr de moi, mais on va voir. Allez, on refait. Allez, du coup, moi je m'étais trompé aussi au début. Ouais, du coup, je vais faire le camp B. Ouais, c'est pareil. Alors là, je n'ai aucune carte verte. Est-ce que tu as des cartes vertes? Oui, j'ai des cartes vertes, oui. D'accord. Donc ça changera peut-être après, du coup. Hein.
Je pense que ouais, je pense que les cartes vertes, mes cartes vertes vont apparaître après, je pense. Peut-être. Donc c'est ouais. Toi d'abord. Ouais. Je dois te donner un indice dans tout ça. En effet. Ah punaise. Oui, non, je pense un truc, je peux pas. Alors. Ah punaise, je peux. Non, ça me bloque. Eh oui, non, j'ai pas le droit de faire ça non plus. Ah, peut-être. Peut-être que j'ai un truc. Oula. Ouais. Mais il y a lui qui va me poser problème. Ça va être compliqué. Ouais, je vais le tenter. Je me dis que. Allez, je le tente. Je tente ça comme ça. Ah, c'est quoi ça? Ajouter une suggestion? C'est quoi ce bouton? Je l'ai vu tout à l'heure, Alors, je ne mais. sais pas. Je l'ai fait, mais ça ne sert à rien. Je pense que c'est quand on doit être à plusieurs sur ce mode, en fait. Mais bon, je suis pas sûr. Je peux te donner deux indices à la fois? Alors, apparemment, oui, tu peux donner plusieurs indices, mais je pense que vaut mieux qu'on fasse chacun notre tour. Sinon, on va avoir le même problème que tout à l'heure. On est là pour tester de toute façon. Oui, après, oui. Tu me dis quand t'as lancé l'indice. J'ai un très gros Vous devriez indice. taper votre indice et indiquer le nombre associé avant. Ne vous inquiétez pas, j'ai donné l'indice à haute voix, d'accord, laissez-moi taper l'indice. Vous devriez taper votre indice. Alors. Est-ce que tu vois les suggestions ou pas? Non, 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 non. Donc tu ne vois pas Alors, ça. ferme, je dirais rat. J'ai pas tout compris de pourquoi il y a ça du coup. Et fourche. Déjà sur fourche. Ensuite, ah. Ah, un peu Eh rapide. bien non. T'as été un peu rapide. Non, parce que. Alors, ni. Ah oui, donc là c'est moi normalement. Ah non, moi j'ai aucune. En fait, c'est encore à toi, parce que j'ai Ben, aucune carte verte. moi je vois l'autre camp doit donner un indice. Bah ouais, mais moi j'ai aucune carte verte en fait. Je fais une petite capture d'écran si tu veux. Non, c'est bon. J'ai rien, c'est tout. Tout est non, carte normale. Et tu ne peux pas taper des indices même en piffant. Je peux taper des indices, mais je ne sais pas sur quelle carte il faut que tu cliques. Alors, ça a peut-être bugué, je ne sais pas. Bah, je sais pas. Comme. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire? En deux, je peux faire. Ça peut-être en 3. Allez, en 4. Il y a moyen qu'en 4 Ouais, mais tu trouves, mais je ne en sais pas si c'est les 4, bonnes. mais c'est en 4, voilà, mais tu n'as Mais que c'est pas grave. des. Si t'as aucune carte verte, Voilà, je ne sais pas. odeur Miguet. Restaurant peut-être. Odeur. Oui, hauteur. C'est facile, je pense. Orange. Muguet. C'est une Alors carte verte. bah ouais, mais moi je le vois pas en fait.
Orange. C'est une carte verte. Peut-être. Bizarre ce mode. Allez, les deux dernières, tu peux les trouver. Renaissance. Restaurant. Pourquoi j'ai dit Renaissance? Restaurant. Non. Restaurant. Donc, ouais, c'est ça en fait. Je ne vois pas mes cartes vertes. Je pense qu'on va devoir recommencer. Bon, on poursuit sur ça et on verra. Ouais, mais c'est, bon, après, ça va être compliqué de te faire gagner, je pense. Oui. C'est bizarre. Le mode classique est quasiment très bien codé, mais là c'est vrai que le mode duo manque de manque de code tout simplement. Ça... On a réussi à en piffer deux au moins. C'est bien. Ouais. Deux d'affilée. Deux bonnes. Deux d'affilée en plus. Ouais. À ton tour. Ah pardon. Mais alors, apparemment, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'il dit l'autre camp doit donner un indice, mais je peux quand même taper et te donner un indice. Oui, on peut le forcer, mais bon, on ne le forçons mais pas, on va pas tout casser. Ah, n'oublions pas qu'il t'en reste un à trouver pour ferme. Oui, exact. Ah, c'est dur. Ah, donc comme des donc dans le format duo, c'est bien nous contre le jeu en fait. Oui, mais le jeu, il est où là-dedans? Donc en fait, c'est si on en fait on partage la même grille de mots, ouais. Mais la répartition est différente de chaque côté. Ouais. Une équipe donne des indices à l'autre à tour de rôle et le but est de trouver tous les agents verts avant d'être à court de temps. Et donc le temps, c'est les cartes normales, je pense. Ok. Donc est-ce que t'en as bien ton état attends 1, 2, 3. Est-ce que tu t'es à. T'avais 7 cartes? Est-ce que t'as cette carte verte? Là, sous les yeux, j'en vois 8. Ouais. 8? Ouais. Donc ouais, donc normalement on doit avoir 16 cartes en tout pour nous deux en fait. Oui, donc faut pas qu'on se trompe du tout. Y a rien qui peut correspondre sans que ça me pose problème sur d'autres mots. Je suis tenté à un coup de bluff, mais on va voir. Alors, déjà, je pense qu'il devait avoir. Alors, Zinedine Zidane, foot, ça c'est sûr. Pour la ferme, je pense à Nice. On va faire. Donc ça, c'est sûr, c'était la ferme. Alors, le foot. Michael Jordan, c'est le basket. Ou peut-être Jamel Debbouze. Boston. J'hésite entre G et Jamel Debbouze. Alors, attends. Attends. D'accord. Alors attends, je vais cliquer sur toutes les cartes parce que en fait je peux. En cliquant sur mes cartes, je vois mes cartes vertes. D'accord. Le bon bug d'affichage. Donc c'est là, bien. C'est bien un bug d'affichage, d'accord. Ouais, j'ai bien mes cartes. J'ai bien tes cartes vertes et
et les cartes noires. Donc on pourrait te faire deviner pour la prochaine. Allez, ton tour de jeu, mais... Ah bah non. Mouton 2. Tiens, le titre, il s'est pas mis à jour. Bizarre ça. Tu t'es trompé du coup? Ouais, je me suis trompé. Ouais, mais pourquoi t'as pensé à Jamel Debbouze pour foot? Bah parce que Jamel Debbouze, il est fan de foot et qu'il faisait souvent des références à Zinedine Zidane, comme il dit. Ouais. Thierry Henry, etc. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé à Jamel Debbouze. C'est parce qu'il y a la fameuse blague de dites-moi pas que c'est pas vrai quand il voit Thierry Henry. C'est tiré par les cheveux quand même. Bah il est... T'aurais mis quoi? Alors je pense que là je peux... Alors attends. Est-ce qu'il a fait ça lui? D'accord, donc je pense que... Donc là, c'est à toi de taper l'indice. Oui, c'est ça, c'est à toi de taper l'indice. Ouais. Corps. Ouais. En deux. Alors, artère. Willa, restaurant, Zelda, rond, renaissance, histoire, ara, enceinte, pont, Catwoman. Ra, il est pas validé pour toi? Ra, non, bah je peux cliquer sur ra, moi. Ah, d'accord, donc moi je peux pas cliquer sur ra parce qu'il y a une carte. Oui, parce que d'accord. T'as déjà cliqué sur ra, toi. Ah oui, d'accord, oui. Alors, artère, oui. Et peut-être enceinte, pour une personne enceinte. Sinon, je vois pas ce qui peut se référer au corps. C'est comme le... Mais... Tokyo. Non, oui, mais d'accord, mais ne... Tu sais, quand tu es l'espion, normalement, c'est tu donnes l'indice et tu dois pas en dire plus. On peut discuter, mais surtout pas en dire plus. Oui, mais je suis parti dans un raisonnement compliqué. Tokyo. Bah dans ce cas c'est le chausson pour le pied. Et non. À moi pour l'indice. Aïe. Ouais. Un indice. Donc du coup ouais ça donc je peux te faire les cartes que j'ai cliquées, je peux t'en faire cliquer. D'accord. Alors. Brillant. Alors, peut-être. Non, mais non. Diamant, ça c'est sûr. Alors, le deuxième. Brillant. Que Catwoman, elle cherche des bijoux. Et Zelda, avec la Triforce, qui brille. Allez, on va tenter Catwoman. Et non. Et quelque chose de mieux que Catwoman, quand même, hein. Bah non. Brillant. J'ai eu diamant, ça c'était bon. Qui brillant. Alors. En 3, tu peux le prouver celui-là, je pense. Ah oui, mais non, il y a lui qui va être compliqué. Peut-être ici. Mais là, ce sera en 2. Peinture. En 2. En 2. De Vinci, Renaissance. Oudla, restaurant Zelda. Non. Rond. Ça pourrait, mais non.
histoire, bah, histoire de l'art, mais ça me paraît trop tiré par les cheveux. Ra, non. Enceinte, non. Pont, non. Catwoman, bon, dernière nouvelle, non. De Bouze, non. Yoda, non. Jet, non. Chausson, non, Chausson, il est déjà parti. Michael Jordan, non. Classe, non. Ah, Ivanis non plus. Là, comme ça, vraiment, c'est pour moi le Da Vinci et Renaissance. C'est pas Renaissance, si, c'est bon. Allez. Voilà. Félicitations. Allez, je dois te donner un indice. Alors, un indice, moi, il m'en reste plus que deux. Deux. De cartes vertes. Ah, d'accord. Bah, là, j'en ai quatre sous les yeux. D'accord. Mais donc, alors, par contre, pour associer les dernières... On va y arriver. Comment je vais les associer ça là, sérieusement? Compliqué là. Moi, si jamais, je peux peut-être te donner mon dernier indice. Non, 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 ça va forcer comme tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Histoire. Comment... Attends, ah, c'est... Il y a un mot spécifique par rapport à une définition que j'ai en tête. Comment ça s'appelle ? Je vais passer par un autre moyen. Oh, oh punaise. Scénario. Oula. Scénario. Bon, déjà c'est pas rond. Ra et Catwoman, c'est pas. Je peux pas les choisir. Chausson, ça m'étonnerait. Michael Jordan, il y a eu un film avec. Classe, ça m'étonnerait. Yoda, Star Wars pour le film. J'ai pour Zelda. Déjà, je vais valider Yoda. Oui, ouais. Yoda, scénario de film, ouais. Alors. En deux en plus. Bah non. Scénario, c'est une histoire. Ah, oh, tu m'as fait peur. Oui. Oui. Scénario, ouais, c'est une histoire. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis pas sur. En plus, ça aurait pu être Zelda également, parce que Zelda, le scénario pu. De Zelda est très très. Ça aurait pu, ouais. Alors là, normalement, tu peux trouver. Ouais, bah, pour ton prochain indice, je peux te dire que en deux, je suis incapable de te le faire. Je cherche, mais. Alors, cancre. 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 Bon, franchement. Celui-là, il est facile. On a sur un facile. Ah oui, classe. Pourquoi je peux pas cliquer sur ça ? Ah, je peux pas cliquer. D'accord. Ah oui, il y a bien un truc sur les cartes noires, je peux pas les cliquer.
Ah, donc on doit voir la même alors. Pas forcément, pas forcément. Un cancre. Peut le faire. Enceinte, pond, G ou jet, jet, non. Tout ça, non. Chausson, non. De bouse, mais je sais. Bon, est-ce qu'il a été cancre du coup, ça me donnerait. Faire le pitre, ça veut pas forcément dire être cancre. Catwoman, non. C'est pas parce qu'elle a fait ses activités qu'elle est cancre. Ra. Est-ce que Ra, c'est synonyme de cancre? Peut-être, je me souviens plus. Rond. Non. Poudlard, c'est une école. Restaurant. Je peux pas cliquer dessus parce que j'ai déjà cliqué dessus. Zelda, non. Donc là, j'hésiterai entre Poudlard, Ra et Jamel Debbouze. Mais il n'y a pas de cancre dans Poudlard en vrai, même dans Serpentard, ce sont pas des cancres. Hein. Ils sont plutôt même bons élèves. Ils sont casse-couilles, mais ils sont plutôt bons élèves. Bons élèves même, avec la liaison. Donc il n'y a pas de cancre dans Poudlard. Hein. Et t'avais dit quoi les deux autres, c'était... Ra et Jamel Debbouze. Je vais tenter Debbouze, mais sans conviction. C'était pas Debbouze. C'était Debbouze ? Oui ! Il était cancre Debbouze ? Oui, tout à fait. Il le répétait souvent qu'il faisait des bêtises en classe. Je suis d'accord. Allez, je dois te donner un indice. Oui. Mais alors là... Ah, ça va être compliqué. Et surtout qu'on doit le faire en un tour. Non, on n'a pas. Non, bah non, regarde, il reste plus que un tour. C'est pas une erreur? Alors je pense, mais parce je pense que si c'est une... à zéro, bah... si c'est une erreur, que je te le fais en un, que tu mets le bon, et qu'après tu pifes à côté, alors en évitant les cases noires, normalement après je peux te le refaire en un, si c'est ça. Non ? Je ne sais pas. Je ne sais. Franchement, je ne sais pas. Parce que là, en deux, c'est pas possible. À moins de trouver un truc hyper spécifique, mais... Ah, attends, peut-être. Comment ça s'appelle ? Oh, punaise. J'ai besoin de chercher une définition. Ok, il n'y a pas un mot spécifique, c'est une expression. Je ne peux pas faire de la faire deviner du coup. Ah, mince. Bon, je vais le tenter comme ça. C'est un hein, du coup. Ouh, bah... Chausson, ça c'est sûr. Et là, à moins de piffer en mode erreur. On tente ? Non. Allez. Voilà, tour de mort ouais, sur bit. Vous n'avez plus de jeton de temps. Ah d'accord, vous avez... l'autre camp a une dernière chance de trouver les agents manquants. Ils peuvent deviner autant de fois qu'ils le souhaitent. Tu peux deviner autant de fois que tu souhaites, mais tu... Ah d'accord, tu peux piller jusqu'à tomber dessus, mais sans à condition de pas tomber sur les cartes noires. Eh bien, bon courage. Alors, rond, restaurant, Zelda, enceinte, pont, G et Michael Jordan. Allez. Pique-nique, douille, c'est toi, l'andouille.
quoi. C'est une carte noire ou pas? Non, c'était une carte blanche. Donc, apparemment, les cartes normales ne passent pas non plus, alors. Non, je pense que c'est pas tout à fait bien codé. C'était des ronds qu'il fallait trouver. C'était rond. C'était rond. D'accord. Ouais. Ouais, bah là, pour le deviner... Bah, à la base, ma toute première idée, c'était d'associer histoire et rond, et de tourner quelque chose autour de la géographie, ou de la Terre, de la planète, mais ça aurait été beaucoup trop tiré par les cheveux. Si tu m'aurais dit géographie, moi j'aurais mis classe. Ah oui, peut-être Venise et même. Et peut-être Venise aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pas ça. Mais après, si j'aurais mis terre tout court... Ah ouais, mais t'aurais pu penser à l'élémentaire. Mince. Eh oui. Ah, c'est pas simple, c'est pas simple. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué comme... Elle est jamais 203. Alors... Bon, du coup, je pars sur le camp A, en espérant que ça ne bug pas. Vas-y. Donc moi, c'est bon, j'ai mes cartes. Est-ce que toi, tu vois tes cartes? Oui, je vois mes cartes vertes. D'accord, donc on est bon. Quelqu'un doit donner un indice, donc je vais supposer que... Ah, c'est le premier qui donne un indice? Ouais, alors... Punaise, cette série de cartes? Wow! Il y en a beaucoup qui peuvent... Ouais, en plus il y en a plein qui peuvent se confondre. C'est compliqué là. Ah punaise, je peux... Mais il y a toujours une carte qui me pose problème à chaque fois. T'inquiète pas, moi c'est pareil. J'en ai deux là qui... Je pourrais t'en faire deviner deux, mais je peux pas parce qu'il y a d'autres mots qui sont embêtants. Après on peut le faire en un aussi, mais bon. Oui, mais... En 1, c'est plus facile. On a quand même le jeu contre nous. Donc, si on a 9 tours au total, pour en faire deviner 15, on va pas pouvoir faire tout en 1, quoi. Toi, t'en as 4 ou t'en as 8 des cartes vertes? J'en ai 9. Donc, ouais, j'en ai 9 aussi. Alors. Ah, j'en ai peut-être un. J'en ai peut-être... Ah. Attends, non. Est-ce que... Je sais pas, en fait. Je peux peut-être t'en faire en deux. Ah, mais non. Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Je tente un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Oula, antenne. Bon, déjà, il y a parabole. Mais alors, les deux autres, antenne. Sur parabole, ça c'est sûr. Alors peut-être appareil et pile. Attends. Antenne. Pareil. Ouais.
dernier. La gueule, James Bond. Alaska. Non. Compliqué là. Mickey, c'est une émission dessin animé avec des antennes sur la télé. Avec la télé, donc l'antenne. Il peut-être. Je sais pas du tout là. Ouais. Compliqué. Et du coup, si je fais fini de deviner, on perd une carte. Ouais. On perd une. On perd un tour. Allez, on va trouver des Mickey. Alors, c'était pas ce que je pensais, mais oui, écoute, ça fonctionne. Ah bon, donc c'est pas ce que tu penses. Non. Je vais pas faire plus. Attends. Non, tu le. Enfin, si, tu pourrais en piffer un de plus, vu qu'il y a. T'as une chance de plus, mais. Bon. Ouais. Je vais arrêter là parce que. Alors là, par contre, moi, pour les indices. Alors, il y a peut-être moyen. Ah, si. Amazonie. En deux. En deux. Alors, forêt. Forêt d'Amazonie. Forêt amazonienne. Équateur. L'Amazonie passe par l'équateur. Oasis, non. C'est pas un désert. Forêt, oui. Équateur, allez. Voilà. Ah, bien joué. Ouais, j'étais pas. Enfin, j'étais facile celui-là, mais j'ai pas vu tout de suite. Alors. Ah oui, non, je. Ah, mais. Cette carte noire me gêne. Moi, c'est les cartes blanches. Je pense à plein de choses, mais la carte, il y a une carte noire spécifique qui me pose vraiment problème, quoi. Je pense à plein de choses, et à chaque fois, hop là, non, carte noire, regarde, je suis là. T'inquiète. Je suis pas arrivé, t'inquiète pas. Ah, punaise. Compliqué. Ah. Oh. Oh, si, je peux faire ça. Oh. Oula. Alors, oh. Oh, oh. Fontaine. Ouh. Alaska, il y a de l'eau avec la glace. Et alors le troisième, Oasis. Déjà fontaine, c'est sûr. Je dirais plutôt Oasis. Ouais. Alors le dernier, Alaska.
Attends, alors, il était en 2. Hein. Ah, en 2, voilà. Ah, alors, attends, il te reste quand même. Non, il te... non, en fait, non. Non, non, il te... non, tu... Moi, il me reste... Soit tu pifes quelque chose par rapport à ce qui a été dit beaucoup plus tôt, soit tu passes ton... Soit tu... Ah. Tu avais dit... Ah oui, antenne, c'est vrai. Ah oui, antenne. T'es pas obligé, t'en as trouvé deux, t'es pas obligé. Mais tu peux le tenter. Antenne. Franchement, je sais... Non, franchement, je vais pas... Je sais pas, plus. Ok. Je vais pas... Vaut mieux pas. Alors du coup, maintenant, ça va être compliqué, c'est pour moi de te faire deviner. Sans me tromper. Alors... Ça va être compliqué pour mettre les trois qui me restent là. Moi, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 à te faire deviner. Ok. Et oui, et c'est pas les plus simples. Mais sachant qu'on peut avoir des cartes vertes similaires. C'est-à-dire que si on en trouve pour le... Si moi, je trouve une carte verte, par exemple, et que c'était la même que j'avais à te faire deviner, bah, elle compte pour tous les deux. Donc ça, c'est bien. Ah, d'accord, oui. Oui, en effet. Qu'est-ce que je peux te faire deviner ? Est-ce que... Il y a, en fait, il y a deux trucs qui sont liés, mais je peux pas te... Bah, c'est souvent comme ça, de toute façon, à partir du moment où il y a une carte qui gêne. Et ouais, il y en a une troisième qui gêne, en fait. Et bah... Ça... Allez, peut-être en deux. Franchement, en deux, il y a moyen. Allez, en deux, il y a moyen. Armoire. Narnia. Bah, le lion de Narnia, du coup. Comment il s'appelle ? Aslan. Il s'appelait Aslan. Bah oui, en fait. Y'a que ça. Narnia. Le lion. La sorcière blanche et l'armoire magique. Oui. Voilà. Si je voulais mettre film, mais c'était compliqué. Ah mais film là, je plongeais sur James Bond, Lara Croft, Godzilla, Steven Spielberg. Je suis obligé de le faire en 1 parce que le reste là. Moi les autres ça va être en 1 aussi, peut-être. Peut-être 1 en 2. Non mais là si je mets ce que je pense, il y en a un autre qui va me déranger. Donc ouais, je tente en 1. Je tente vraiment en 1. Verbe. J. Voilà, efficace. Alors moi en deux, mais parce que c'est embêtant tout ça. Bah, je peux te le mettre qu'en un aussi, mais bon. Un, deux. Il me reste combien moi de ton côté à faire ? Deux. Deux. Mmh. On va être à court de temps vu qu'il reste 4 tours. Allez, il y a peut-être moyen de... Ah oui, mais non. Combien t'as dit ? J'ai dit 2.
deux, mais en fait, je suis en train de regarder, il y en a un qui va. Il y Non, non, non. a. Combien de cartes vertes tu as sous les yeux? Ah, 1, 2, 3, 4. Il me reste encore 4. Ben, je vais Ouais, peut-être et faire on peut un. pas tout faire en 1, c'est pas possible. On va être obligé d'en faire en plus. Sinon, on perd. Mais ouais. En fait, je peux t'en faire un en 2, mais. Ça peut prêter à confusion avec la troisième carte, en fait. Bah, si elle est verte. Non. Il n'y a que deux. Mince. C'est là, c'est un jeu J'aurais avec deux tenté. cartes. Zut. Allez. Il y a moyen. Argent! Ah ben argent, donnez l'argent. Campagne de crowdfunding, association, Ivasan Studio, vous avez le lien un peu partout. Donnez l'argent, ce sont les dernières heures. Il reste, alors, on est sur le stream de la clôture, mais il reste 24, 26, un peu moins de 26 heures maintenant, vu qu'en vrai ça se termine demain soir. Mais là c'est maintenant le stream de clôture. Déjà on fera les comptes vers minuit. Et donc donnez l'argent sur OkPal, vous avez le lien bah, qui vient de s'afficher dans le chat en fait. Il est dans le chat. Il est sur tous les réseaux aussi. Donc donnez, chaque euro compte, on est à 1625 euros qui sont déjà acquis, donc ça c'est très bien. L'objectif initial était à 2500, bon je pense pas qu'on l'atteigne, mais voilà, chaque euro compte, donc donnez ce que vous pouvez. Dites-vous que votre livret A ne vous sert à rien, vu le pourcentage qu'il y a dessus, donnez tout ce qu'il y a sur votre livret A. Écoutez, tant qu'à faire, on en est à ce Oui. point, hein. Parce que bon, à Donnez, donnez. 0,05% le livret A, voilà. Non, sans rire, en étant plus sérieux, oui, donnez ce que vous pouvez, chaque euro compte, même si vous donnez 1 euro, c'est toujours 1 euro de gagné. Donc voilà, faites votre petite contribution. Nous, on l'a fait parce qu'on soutient nous aussi notre propre association, bien entendu. La preuve, j'ai vendu mes meubles. Et le reliquat, je l'ai mis en don dans l'asso. Sans déconner, c'est ce que j'ai vraiment fait ça. Donc voilà, allez-y donner, partagez la bonne parole autour de vous. Il reste vraiment, on est sur les dernières heures, allez convaincre, parler de l'asso autour de vous. C'est pas juste partager un lien, c'est vous allez voir vos proches, vos familles, vos collègues, vos camarades, vous les appelez, vous allez les voir directement et t'as vu, tu connais cette petite asso, alors attends, je t'en parle, il faut la soutenir. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas juste partager un lien, c'est pas juste faire le don et le reste, on s'en fout. Non, non, il faut communiquer. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le bouche à oreille qui fera la. Le succès du crowdfunding et de n'importe quel crowdfunding de toute façon. Voilà. Donc, Et deux mots. évidemment, il y aura des contreparties. Il y a des contreparties. Alors, à la base, les contreparties ne sont pas obligatoires, mais on a tenu à les faire. Donc, alors, les paliers, je les ai plus en tête, ils sont écrits dans la campagne. Mais vous pouvez avoir en contrepartie des petits trucs, genre des stickers Siva Sound que j'ai à côté de moi. Les autres stickers, je les ai pas encore. Ce sont les stickers de nos productions, je les ai pas encore reçus. Mais ça devrait pas tarder. Pareil pour les sous-box. Les sous-box, ce sont des dessous de verre. Un dessous de verre, c'est ça. Hop là. Mais ce seront des sous-box, des dessous de Rivasand. Vous pouvez avoir des porte-clés. Vous pouvez avoir je sais plus quoi encore. Et vraiment, si vous êtes extrêmement généreux, vous donnez une grosse, grosse somme. On vous invite à passer une journée avec nous dans un milieu culturel autour du cirque à la Grenerie à Toulouse, où on vous offre le resto, un baptême de trapèze grand volant aussi, un spectacle à voir. Une bonne journée super intéressante pour vous. Et je peux vous garantir que c'est une super journée, parce que je l'ai fait cette journée, moi de mon côté tout seul. Ouais, c'est un vrai régal à chaque fois. En attendant, j'ai des mots à trouver. Avec argent. Et oui, qui a l'argent. James Bond, il a de la thune. Lady Gaga, elle a de la thune. Charlemagne, il avait de la thune. L'Angleterre, oh, il y en a sûrement. Spielberg, il en a. Lara Croft, elle en a. Shakespeare, il en avait sûrement. Einstein, pareil. Crète. Godzilla. Sang. Le sang, c'est la famille. L'œil. L'œil d'Odin, donc Odin. Pile, face, Alaska, pétrole, blé. Bah déjà blé, oui, hein. Blé, argent, c'est un peu une évidence. Les pognons. Par contre, qu'est-ce qui peut avoir un rapport avec l'argent ensuite? Donc, n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Il y a un troisième qui était embêtant, mais qui n'est pas bon. Ouais, mais là, en fait, tous m'embêtent parce que c'est un mot très spécifique que tu as mis. Si ça aurait été lié à une personnalité, ça aurait pu. T'aurais peut-être mis autre chose. Donc, je pense que je vais éliminer les personnalités et les
des œuvres qui sont quand même des personnalités, bon, quand même. Hein. Donc James Bond, Spielberg, Lara Croft, Shakespeare, Godzilla, Lady Gaga et Charlemagne et Einstein, pour l'instant je les mets de côté. J'y reviendrai peut-être après, mais pour l'instant je les mets de côté. Angleterre. Bon, Crète par contre, Crète, argent, Crète. Ça me parle pas. Pour moi, une Crète, c'est la nature, c'est géographique, c'est même géologique. Pour moi, ça me parle pas. Angleterre, Brexit, etc. Sans... quand même, j'ai pas été cherché à ce point-là, quand même. Œil. Bah, j'étais chez l'ophtalmo mardi. Voilà, c'est le seul rapport avec l'œil que j'ai. Enfin, j'ai chez l'opticien d'ailleurs, tiens. Pile. Face. Énergie. Batterie. Pile. Une pile, ça peut être un tas de quelque chose. Alaska. Alaska, c'est un des états des États-Unis. Il y a des forêts, de la neige, de la glace, des ours, des gens qui vont creuser dans la neige pour tenter d'avoir du pétrole, pétrole, argent. Un ruée vers l'or. Hein. Mais Angleterre, je peux pas cliquer dessus ni sur Albert Einstein en fait. Ah, mais ça en élimine deux du coup. Angleterre, je l'allonge. Ok. Au revoir l'Angleterre. Ah. Petit ange parti trop tôt. Charlemagne, c'était un roi. Élimine deux. Déjà. Charlemagne, c'était un roi. Roi, argent. Et si on devait, avec l'inflation et compagnie, comparer sa fortune avec aujourd'hui, je pense qu'il ferait partie des hommes les plus riches de la planète. Donc argent. Et l'Alaska me titille quand même. Combien de vertes il te reste, t'as dit, au total? Là, il m'en reste 3. Alors, faire en 2x2. En 2x2. Ah non. Il y a un 4. Non, là, il faut que tu trouves le dernier et que après tu m'en mets. On fait 2x2. Oh, si je dis pas de bêtises. Ah non, il reste 4 tours donc. Je tente Charlemagne, mais j'ai très peur. Hein. C'était pas Charlemagne. Non. Alors, je dois te donner un indice. Et moi, il m'en reste combien des cartes? 2. 2. Et toi, 3, c'est ça? Oui, donc moi je. Est-ce que tu peux faire deviner en plus de 1? Non, 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 non. Non, là, franchement... bon, dans ce cas, on a perdu. Franchement, là, ça va être compliqué. Ou alors, attends. Alors, il y a peut-être moyen, mais il faut vraiment connaître. Oui. Parce que là, moi, clairement, je ne peux pas... Je me creuse, hein, mais depuis tout à l'heure, je suis un focus sur mon deux cartes, mais... Alors, moi, je peux peut-être en faire un en deux. Bon, ben, ça me rassure, parce que là, je peux pas te le faire en deux, moi. Après, il te reste quand même un truc à trouver tout là-haut. Enfin, que t'avais laissé, que peut-être t'avais mimiqué et qu'en fait c'était pas ça, mais que c'était bon quand même. Oui, antenne, oui, en effet. Donc techniquement, voilà. Espion. Bon. Ah, bon. Voilà. Déjà sur donc là, tu pourrais potentiellement piffer une carte pour tenter de tomber sur la dernière verte qui reste. Alors, qu'est-ce qui est en place avec l'antenne?
Bon, c'est sûr, déjà Angleterre, Lady Gaga, Spielberg, Croft et Shakespeare et Godzilla, et sans, c'est pas la peine. Donc il me reste Crête, œil, Einstein, c'est pas la peine non plus. De toute façon, je peux pas cliquer sur Einstein non plus, je peux pas cliquer dessus. Crête, œil, pile ou Alaska. Œil. Tu regardes la télé tu la reçois avec une antenne. Crête. Et souvent les antennes elles sont en hauteur. En fait les trois marches, les quatre marches. Alaska ça m'étonnerait. C'est Alaska je peux pas cliquer dessus, donc c'est crête, œil. C'est lesquels sur lesquels tu peux pas cliquer dessus? Einstein et Alaska. Donc Alaska, c'était ta carte noire. Oui. D'accord, je comprends le système des cartes noires en duo. D'accord, ok. C'est bien, alors, c'est bien foutu. Hein. C'est œil, pile ou crête. Enfin, c'est bien foutu quand ça bug pas, mais sinon c'est bien foutu. Allez. Pardon, excuse-moi, j'ai pas écouté ta réflexion. T'as dit quoi? Toi, 1, 2, 3. Au pif. Mais sinon, c'était quoi ta réflexion? T'as dit, c'était quoi? C'était soit, en fait, crête. Ouais, crête, je m'en suis rendu compte trop tard. Crête, œil ou pile? Œil parce que on regarde la télé, les émissions de télé, on les reçoit avec des antennes. Ouais, non, mais non. Là, tu pars trop loin, là. Mais crête, crête, c'était bien pensé, mais je l'ai vu trop tard. Là, donc c'est. Ouais. Ouais. Mais crête, ouais, je l'ai vu trop tard. Mais du coup, alors, c'était du bien coup, pile. Il ne t'en reste que deux à trouver. Ouais. Alors, t'as fait exprès d'enlever celui qu'il fallait pas. Enfin, de me donner celui qu'il ne fallait pas. Bon. Mais du coup, c'est positif ou négatif? Bah, négatif, parce qu'en fait, celui que je voulais te faire deviner, tu l'as fait deviner. D'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Et j'aurais pu faire un des deux. Alors là, d'accord. Du coup, moi, il m'en reste plus. Il reste deux cartes vertes quelque part sur le plateau, que je ne vois pas, mais que toi, Non, mais je veux dire, toi, tu dois plus m'en faire deviner. Non, je ne dois plus t'en faire deviner. Donc c'est bon, alors. Moi, je peux le faire deux fois un. Essaye de voir si tu peux pas du tout le faire en deux, sinon tu le fais en un et un. Allez, peut-être prends deux, mais il faut aller loin. Horizon. Tu peux le faire en deux. Mais attends, si je peux cliquer sur Alaska, mais si Alaska c'est ta carte noire. Oui, non. Mais c'est ça, parce que au vu de la réflexion, pour moi, du coup, logiquement, Alaska c'est la carte noire. Mais là, je prends Horizon, oui. De suite, je ping Alaska. Mais non, c'est ta carte noire, je vais pas ping Alaska. Du coup, Horizon. Bah, j'ai que des personnalités, et sinon j'ai œil, sang et crête. Pourquoi? Attends, avec les personnalités. Pourquoi est-ce que je vais éliminer les personnalités? Pourquoi est-ce que l'horizon aura un rapport avec les personnalités? Voyons, partons là-dedans. Même si je vais les éliminer, mais partons là-dedans. Lady Gaga. Charlemagne, Spielberg, il peut. Ouais, il a une technique de capturer l'image quand même. Lara Croft, elle part souvent à l'horizon à la recherche d'aventure. Godzilla, à l'horizon, Godzilla, la mer, histoire de la mer. Shakespeare. Ok, j'élimine tout sauf Godzilla. Godzilla, je me le garde de côté. Sans. Non. Œil, peut-être. Le regard au loin, le regard à l'horizon. Et crête, c'est parce que la crête... Là, comme ça, je tape crête. Crête, pour moi, c'est le plus évident. Et du coup, il m'en reste un. Tout à fait. Mais j'élimine bien Lady Gaga, Charlemagne, Steven Spielberg, Lara Croft, Shakespeare. Tout ça, je les élimine. Bon, Angleterre et Einstein, je peux pas cliquer dessus, de toute façon. Il me reste donc œil sans Godzilla et Alaska. Mais Alaska, je sais que c'est ta carte noire. Donc, il me reste œil sans et Godzilla. Sans, je vois pas le rapport avec l'horizon. Ça me turlupine un peu, donc sans, je vais l'enlever. Il me reste Godzilla et l'œil. Godzilla, vraiment, il apparaît à l'horizon dans la mer. Ou dans l'océan.
Mais l'œil, c'est bien le regard. C'est le regard, c'est la ligne de regard. Ouais, je vais cliquer œil. C'était pas œil, oui. C'était œil. On a gagné. C'est exactement ce que j'ai pensé. Le regard de l'horizon, et quand tu vas sur une crête, bah justement, ouais, tu regardes l'horizon. Bah quand tu vois une crête, tu vois l'horizon. Enfin... Oui. Voilà. Quand tu vas sur une crête. Oh, on a gagné. Félicitations. Trop cool. C'est vrai que c'est spécifique hein, comme jeu, comme mode de jeu. Ouais,